Nous vous montrons la fonction max-min de l'afficheur TwinT10. Pour cela, il faut appuyer sur les touches Shift et max-min, max-min. Le palpeur est positionné radialement sur l'arbre qui est ensuite mis en rotation. Maintenant, nous voyons la variation, d'abord une valeur négative, ensuite une valeur positive. La valeur maximale max-min mesurée est gardée en mémoire et affichée. La position vraie du palpeur est indiquée par un segment éteint qui varie dans cet intervalle max-min.